Mais faut y aller, faut y aller. Oh là, il ramène tout. Et non, il devait y aller avant. C'est dommage, Polo. Ah, il a fait le plus dur, il avait réussi à complètement. Voilà, à côté. Pop, il me semble qu'elle est à côté. Il me semble qu'il va aller la voir, mais il me semble qu'elle est un petit peu faute. Pourtant, Henri, il n'y a pas de doute. Bon, elle est faute. Le break est là. Bravo. Et le 7 est là pour Paul-Henri Mathieu. Ovationné par le public du central. Avec des points, c'était tendu. 1h07 avec 1h33 à chaque fois. Avec des boissons énergétiques, des bananes. Roger Federer. Ah, c'est pas le jour des amortis hein, pour l'Espagnol. Hey, c'est marrant, hein, de se tromper. En tout cas, balle de premier jeu pour le Français sur une deuxième. Voilà. Oh là 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 là, qu'il est beau ce coup droit long la ligne là. En tout cas, vous le connaissez bien, Guy, on sent. Et il accélère encore. Quel homme il arrive à trouver encore en revers la Nadal alors qu'il était pourtant en 10 cours qui sont extrêmement visibles le saut. Il a joué dans le foot, il a joué puis à Barcelone et puis dans l'équipe nationale d'Espagne. Il a choisi le bon côté, mais il a vraiment trop bien croisé, trop bien fouetté cette balle. Super contre, belle défense, beau passing. Ce qui est amusant de signaler à ce moment du match, Guy, après 1h48 de jeu, c'est qu'ils ont couru tous les deux exactement la même distance. C'est assez étonnant, et ce passing là qui vient cueillir Paul-Henri Mathieu, qui est parti d'un peu loin. Ouais, bien joué Polo, bravo. Ça est important ce point. Slicé. Non, droit devant, au milieu. Ah, il était parti, ah, effectivement. Ouais. Dès qu'il prend le jeu en coup droit comme ça, c'est monstrueux ce qu'il envoie. En mesure de garder son service. Ouais, bonne première. Oh là 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 là! Formidable, tout le monde est bien sûr en premier. Ce petit saut de cabri qui n'a pas suffi. Oh ah, il a visé presque là. Ouais, mais c'est pas. C'est... Oh, il est beau celui-là. Ça n'a pas fait beaucoup.
faire un quart d'heure pour remporter ce jeu et mener 2-1. La confirmation de la part du Français qu'il était vraiment bien dans la partie et qu'il ne comptait pas céder. Et on va voir quelles seront les armes maintenant, les arguments de Rafael Nadal. Lui est plutôt bien aussi, mais enfin, j'arrive quand même pas à faire la différence. C'est lui qui me tient en échec sur mes attaques. Il est quand même assez bon à la volée. Voilà, ça fait mal aux jambes, ça, je peux vous dire. Ouais. Donc, mais c'est ça qui est important. Oh là là, qu'il est beau celui-là. Qu'il est beau ce coup droit. Elle est sur la ligne. Le contre-pied qui fait mal à Rafael Nadal. À gauche, hein, bien sûr. Oh là là. Quelle trouvaille là de la part de Rafael Nadal. Gros risque sur la deuxième. Oh, quel lob. Oh, le smash est formidable aussi. Bravo Follori. Servi sur la ligne. Oh là là, impeccable. Hein. Quelle séquence actuellement l'a proposée par le Français. Passing qui prend là avec une glissade de Rafael. Petit Français qui lui résiste. Ouf. Il frappe tellement fort dans la balle que lorsqu'il joue un coup d'attaque. Ouais, bravo, bien joué Polo. Oh, quelle accélération de longue ligne. Il attrape la ligne. Vraiment précis en chip. C'est marrant, on parle beaucoup de son lift et on se rend compte. Avec le revers coupé, c'est comme une caractéristique du gaucher en général. Hein. Plus que le revers lifté. C'est pas Henri Lecomte. C'est fou ce qu'il arrive à trouver un angle, alors qu'il est deux mètres à la ligne de fond de cours, hein, un angle. Oh, oh, quelle est belle. C'est somptueux ça. Quel toucher. Une balle. Les deux cris, hein. Oh, oh non, non, pour la bande du filet. Ah, une nouvelle fois, je pensais qu'il pouvait y aller à contre.
trop, il trouve un ace. 204 km/h dans l'angle. Ou c'est dehors, c'est dehors. 1-7 partout, on a vu le geste de Nadal comme s'il avait presque gagné le match. Ouais. On est il mange partout. Psychologiquement, c'est sûr qu'il relance complètement ce match, Rafael Nadal. Et il fait sentir à Paul Henry effectivement qu'il est erreur. Ce serait bien de revenir un peu sur son côté droit. Oh là là, c'est phénoménal. Il est quasiment dans la barre. Regardez-moi ça. Il va peut-être disparaître même de la caméra. Quasiment. Et il trouve un passing, mais. Pas tout le temps comme ça, hein, non, malheureusement. Ouais. Allez, des balles neuves pour commencer ce jeu. C'est bien joué, que c'est bien joué, quelle profondeur encore là dans ses coups. Oh, elle est dehors, pas sûr, hein. Raphaël était persuadé d'avoir marqué le point là-dessus. On joue une sorte de demi-volée là du fond du court. Paul Henry qui hésite aussi un peu malgré tout. Non, elle est bonne hein, me semble-t-il. Je sais pas, pour le Hokkaï, s'il vous plaît. elle touche la ligne. Le petit bruit dans le micro de la balle qui frisait la bande. Voilà, là, le même, ouais. Sans toucher le filet, c'est pas plus mal. Oh, c'est court. Oh, il faut y aller là. Ah ouais, il n'y est pas. C'est bien joué. Ouais, ouais, bravo Paul Henry. Et cette fois, ce revers a trouvé la ligne. Il était presque trop près de la balle. Je crois que c'est bien joué ça encore. Oh non, Polo, il avait celle-là. Ça l'a énervé, hein, ça l'a. Oh là 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 là, mais ça vient d'où ça? Oh, formidable ce qu'il fait encore, Rafael Nadal. Elle est bonne. Oui, Polo, bravo! Que c'est beau, que c'est beau! Belle réaction, c'est bien attaqué aussi côté revers, ne pas l'oublier! Le voilà, ce revers long de la ligne! C'est magnifique! Magnifique! Oh, comme il a réussi à. Énorme pour remporter ce jeu, vraiment c'est du très. Ouais, là c'était court là. En bout de course. Le point. Ouais, ça c'est parfait. Aïe, 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 il tombe dessus, il s'écroule sur cette balle un peu, Polo.
on sentait hein, que Raphaël. Oh, qu'il est beau ce coup droit pour croiser. Deux balles de 7. C'est beau ça, ce coup droit immense. Ah non, ça va sortir. Ça va sortir et Rafael Nadal qui passe en tête dans ce match pour mener 2-7 à 1 avec le soulagement de Tony Nadal, son oncle, et les sifflets du public qui n'est pas informé de ce qui s'est passé. Bien joué pour le bravo. Passionné. Ah oui. Oui, elle est belle. Quel bravo Polo. Quel beau contre-pied. Pour... Oh le cochon, il s'est bien joué. C'est un compliment, hein, je dis ça. Ça revient sur la ligne, sur la ligne. Et l'échange repart. Voilà, et, voilà. Non, non. Et voilà. Ah ça c'est quand même formidable. Comme il a défendu. Ouais, bien joué. La balle était courte, il s'est bien appuyé. Un passing, encore un. Attention. Oh là là, c'est phénoménal comme il défend parce qu'elle était longue hein, la balle de Poland. Se retrouver sur France 3. Ah, sur la ligne, service sur la ligne. Ouais. Ah, avec Rafael Nadal qui prend l'avantage sur sa mise en. Il est sous le filet, ça le replonge. Un peu par dépit, hein, ce coup droit rageur qui va dans le filet, malheureusement.
c'est hallucinant encore ce point. Qu'est-ce qu'il a ramené Rafael Nadal? Oh, il part trop tôt, il part trop tôt. Oh, il accroche la ligne à 206 km/h. Cet homme-là est impitoyable. Un combat de 4h53 et au bout du compte, comme d'habitude, c'est l'Espagnol qui gagne. Et pourtant, Paul-Henri Mathieu aura tout donné. Il a fait un énorme match, un grand, grand match. Et ce qu'on lui souhaite...